Bonjour, c'est l'élève de la classe de 3e de l'ISCAP. C'est M. Alain pour le conseil d'histoire et géographie. Ce matin, nous nous retrouvons encore pour revenir sur la profession des graphiques. À votre niveau, en 3e, à l'examen, vous avez trois types de sujets, d'exercices. Votre premier exercice, c'est sur 4 points. Votre deuxième exercice, c'est un test assorti des questions auxquelles vous devez répondre de façon précise et concise. Et enfin, le troisième exercice, c'est la construction graphique. Et noté sur 6 points. Donc, c'est pour vous montrer que les graphiques sont très, très, très importants dans votre formation. À votre niveau, nous allons voir, nous allons revenir sur trois graphiques. La courbe d'évolution, l'histogramme ou diagramme en bas, bien en bas, et puis enfin, le diagramme circulaire ou semi-circulaire. Nous allons commencer avec la courbe d'évolution. En général, la courbe d'évolution permet de représenter un phénomène qui évolue dans le temps. N'est-ce pas? Pour construire votre courbe d'évolution, vous vous référez au tableau statistique. Ce sont les tableaux, ce sont les données-là qui vont permettre de réaliser votre courbe. En plus, vous avez un outil très important, c'est l'échelle. Sans l'échelle, vous ne pouvez pas réaliser votre courbe. Donc, la première étape, c'est de tracer le repère dans lequel vous allez construire votre courbe. À ce niveau, vous avez besoin de vous instruments géométriques. À les amis, il ne faut pas les oublier à la maison. Parce que vous n'avez pas l'occasion de demander à vos voisins. Vous avez votre règle, votre équerre, votre rapporteur. La première étape, nous allons prendre l'espace pour faire office de papier millimétré. La première étape, c'est, comme je l'ai dit, c'est de construire le repère dans lequel va évoluer la courbe. Généralement, c'est un repère autonome. Je prends ma règle. Et puis, les traces de droite, la généralité perpendiculaire. Avec le crayon, je n'insiste pas là-dessus, parce que je peux arriver à effacer ou ajuster mon repère. L'autre droite, les deux sont prévus de coupe. L'échelle dit quoi? L'échelle dit 1 cm pour 1 an. Et puis 1 cm pour 100 000 tonnes. Voici le tableau. Voici la production de l'ébranchie en tonnes. Ça part de 2010 à 2017. Vous avez aussi les importations. Ça part de 2010 à 2017. Si l'exercice était appliqué à vos amis de la terminale, on pourrait leur demander de construire pas la production de l'ébranchie en Côte d'Ivoire, mais la consommation. En ce moment-là, le récit devient un peu plus poussé pour avoir la consommation. C'est parce que la production nationale ne suffit pas que l'État importe pour satisfaire les besoins de la population. Donc, du coup, vous additionnez la production et les importations, vous avez vos valeurs en consommation de 2010 jusqu'en 2017. Vous avez ces différentes valeurs en tonnes que vous allez représenter la courbe de consommation de l'ébranchie en Côte d'Ivoire. Mais nous, en troisième, on nous facilite la tâche. En panier donné, c'est la production seulement qu'on vous demande de représenter. Face à la courbe d'évolution, la production de l'ébranchie en Côte d'Ivoire de 2010 à 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production évolue en fonction de l'année. Donc, vous devez obligatoirement mettre en abscisse les années et puis en ordonnée, ici, en ordonnée, la production de riz. Vous prenez votre règle, on va commencer par les années.
Vous isolez chaque centimètre des segments. 1 centimètre. 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 À chaque centimètre, vous tracez. 1 centimètre. 1 centimètre. Ok. Le chef me dit, 1 centimètre fait 1 an. La production a commencé en 2010. Donc, je marque ici 2010. Si vous mettez 0 et puis vous venez mettre 2010 ici, alors il y aura un décalage. Vous perdez des points. Ce n'est pas conforme avec l'échelle. L'échelle dit 1 cm pour 1 an. Si vous mettez 0 et 2010 ici, vous avez donné des milliers de papiers pour pouvoir trouver votre racine ici. Donc, vous vous définissez à l'échelle. On ignore les phénomènes qui sont passés, que les positions sont passées antérieurement. Donc, on met 2010 à l'intersection entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc, il y a 2010. Après, 1 cm encore, 2011. Vous pouvez faire avec elle, mais c'est pour l'esthétique. 1 cm encore, 2012. 1 cm encore, 2013. Ainsi de suite, 2014, 2015, 2016 et 2017. Ok, à ce niveau, nous prenons notre corps et nous lui passons la partie du débord et on met à l'aide. On vient de représenter à travers l'échelle ou grâce à l'échelle les années. Maintenant, nous allons prendre l'ordonnée en fonction de l'échelle pour représenter les productions. L'échelle dit quoi? 1 cm pour 100 000 tonnes. Chaque centimètre correspond à 100 000 tonnes. Donc, quand je prends ma règle, on fait de même pour les années, comme on a fait pour les années, on isole chaque centimètre. Hein, centimètre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi de suite. 11 ans. Nous allons rentrer dans mon tableau. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais dérouler comme ça pour voir. Non, pas d'espace. Mais la partie qui est là fait office de nos papiers numériques. Si vos papiers numériques, c'est encore plus simple. Parce que vous avez les lignes horizontales, les lignes horizontales. Quand vous allez prendre les années et les positions, là où vous croisez, vous marquez le point. N'est-ce pas? Donc, l'échelle nous dit 1 cm pour 100 000 tonnes. Donc, chaque centimètre est 100 000 tonnes. À même niveau, je peux mettre 0. Parce qu'on peut partir de 0 production pour avoir jusqu'à 1 million de tonnes. Donc, 0, 100 000, 100 000 encore, ça fait 200 000, 300 000, 400 000, 50 tonnes. Hein. Avec la base, on va mettre. 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000. Ne vous trompez pas, chaque centimètre est 100 000 tonnes. Après, nous avons 1 million de tonnes. 1 million 100. Un million 200. Ici, quand vous prenez le tableau, la plus grande valeur en production, nous avons 1 399 407. Ici encore, nous avons, donc c'est en 2015 que nous avons
la plus grande valeur. Donc, nous sommes à 1200, 1300. Si j'avais le temps de prendre le tableau, on peut effacer cette partie pour revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la position qui nous intéresse ici. 1300, et puis on arrive à. Et 400. 1400. À ce niveau maintenant, on écrit production, c'est en tonnes. Production de riz, soit de riz blanchi en tonnes. OK. Avec l'échelle, j'ai gradué mon lipène. Deuxième étape, ou soulevez troisième étape, il faut préciser l'année à sa production. En 2010, nous avons fourni les tonnes. Nous avons 784 000. Je me mets ici en 2010. Il y a 500 000, 600 000, 700 000. N'est-ce pas? Cette moitié va faire 750 000. Donc je monte légèrement en tendant vers 800. C'est le point qui est l'intersection en 2010 et sa production. Je marque mon point. Je continue 2011. 2011, en termes de production, il y a 550 000. 2011. Voici 500 000. La moitié va me donner 550 000. Quand je remonte en 2011 et la production, le point est ici. Je continue de marquer le point. En 2012, il y a 984 000. Et celui-là, en 2012, si papier me fait la révolution, 950 et mon point est juste là, en 2012. J'évolue. En 2013, il y a 1 218 000. 2013, je suis là. 1 218 000. Voici 1 200 000. 250, 215, actuellement 18 est au-dessus. Et marque le point. On continue. En 2014, 1 343 000. L'évolution sur 2014. Et puis je monte. 1 350 000. 40 est juste là. Je marque mon point. En 2015, 1 399 407. Les positions sur 2015. Et puis je monte. 50. Le point est juste là. Je vais passer légèrement dessus. C'est la position qui nous intéresse ici. Donc, je vais, nous sommes pratiquement là. 2016, 1 350 911. Les positions sur 2016, et je vous montre. 1 300 000, nous sommes à 55 000 ici. Le point est là. Alors, le papier que je fais, c'est encore plus précis. Et enfin, en 2017, 1 million, est-ce qu'on apparaît? Je vais plus les données. En 2017, donc la production est restée stagnante. Voilà. Tous mes points sont marqués. Je prends mon crayon et à me lever, je vais régler tous les points. Je ne vais pas m'arrêter. C'est parce qu'on esthétique. À me lever,
Je vais relier tous les points. Pour obtenir la courbe d'évolution de la production. Vous pouvez commencer par là pour revenir jusqu'à au dernier point. Comme commencer par le premier point pour aller jusqu'à la fin. Donc voici ma courbe est tracée. Ce n'est pas fini. Il faut mettre en évidence l'échec. Ce que l'échec dit, on répond. 1 cm, 1 an, 1 cm, 100 000 tonnes. Et au-dessus, nous allons mettre le titre. Le titre est l'évolution ou évolution. De la production du riz blanchi en Côte d'Ivoire de 2010 à 2017. Donc, ça aussi, c'est primordial. On répond l'échelle, on met le titre et on s'assure qu'on n'a rien oublié. Donc, voici en première étape la courbe d'évolution comme il se doit. Nous allons passer maintenant au diagramme en bas ou à l'histogramme. Oui. D'accord. Ok. Pour faciliter la tâche, nous revenons sur les mêmes éléments, les mêmes tableaux statistiques pour pouvoir construire l'histogramme hein, et montre la progression du riz blanchi en Côte d'Ivoire de 2010 à 2017. Nous allons garder la même échelle. Le même repère est là. Mais à la différence de la courbe d'évolution, l'histogramme, ce sont des bandes. Des rectangles, n'est-ce pas, qui sont souvent juste à poser pour mettre en évidence les discriminations entre deux éléments, n'est-ce pas. Quand vous prenez de 2010 à 2011, en 2010, la production est de 7 884 000. Nous étions à là, 7 884 000. Donc, notre bande commence comme ça. Et se jette sur les axes. Donc, cette bande-là montre la production en tonnage du riz en 2010. On va en 2011. 2011, nous étions à 5 700. 5 700, la valeur était là. On suit seulement que le point que nous avons marqué au départ. Et on descend sur l'axe de l'abscisse. En 2012, voici la valeur de production qui est là, le point qui est là. On repasse sur le point. Vous allez dire avec le point papier, mais ça serait encore plus juste. Et on descend sur les abscisses. On continue même chose en 2013.
2013 s'arrête là. Commence là. Et s'arrête à partir de où? 2015 commence. Ainsi de suite. Ok, voici nos diagrammes en pente pour les soulevants qui montrent la progression de février 2010 à 2007 en Côte d'Ivoire. C'est très simple. Après les histogrammes, nous allons passer au diagramme circulaire. Ok, on achève notre construction graphique par la construction du diagramme circulaire ou semi-circulaire. Voici nos données statistiques concernant la part des secteurs d'activité dans le PIB en Côte d'Ivoire. Vous voyez l'agriculture, 24,3% dans le PIB qui exprime la richesse du pays, hein, l'industrie, 30,3%, et services, 45,4%. On vous demande de représenter par un diagramme circulaire la part de chaque secteur d'activité. Le diagramme, ça c'est l'échelle, le diagramme du sec, 8 cm. Le diagramme est circulaire. Un sec fermé, ça fait 300, vous le connaissez, 30 degrés. Le demi-sec, qui sera le diagramme semi-circulaire, vous allez prendre 180 degrés. Donc, premier étape, il faut calculer les secteurs angulaires de chaque secteur d'activité. Par exemple, si on suppose que l'agriculture fait 24,3, l'industrie 30,3, service 45,4. Quand vous additionnez, ça fait 100%. Ces mêmes 100% là vont correspondre à 360 degrés. Voici comment vous allez définir au fur et à mesure votre échelle. Donc, pour calculer la part, enfin, calculer le secteur angulaire de chaque secteur d'activité, vous vous référez à 100%, 360 degrés. On fait la règle de 3. Donc, secteur angulaire de l'agriculture. Et le secteur primaire. Si 100% correspond à 360 degrés, l'agriculture fait 24,3%. 24,3%. Elle sera alors le degré correspondant. La règle 3 dit quoi? Vous faites votre multiplication en passant par diagonale. 360 degrés fois 24,3 égale à 100 fois x. Ou si vous voulez, 110. Ce qui m'intéresse ici, c'est x, l'angle de la culture que je ne connais pas. Donc, il simplifie tout par 100.
on calcule en égalité. Donc, x sera égal à 320 degrés fois 24,3 sur 100. Quand vous calculez la curvature, fait 87,48. Donc, x1 est mis pour la curvature. On fait de même pour l'indice U. Donc, l'indice U. On connaît déjà sa valeur, son pourcentage, c'est 30,3. Donc, 360 degrés fois 30,3 sur 100. Vous allez trouver une valeur de 109,09. 109,09. Ça, c'est l'angle de l'indice U. Le secteur tertiaire, si vous voulez les services, 45,4 fois 360 sur 100. Et ça donne 163,08. Je viens d'obtenir ici mes secteurs angulaires. C'est avec ces secteurs angulaires que je vais construire mon diagramme circulaire. On vous a dit, le diamètre du cercle est 8 cm. Ça signifie que le rayon sera 4. Je prends mon compas, je mets ça sur ma règle, et puis je prends 4 cm. Et puis je trace. Mon milieu est là. Et voici mon cercle. Ok. On continue. La curvature fait 87,48. Je prends mon rapporteur. Je fais épouser cette ligne-là, où il y a 0, et puis je suis l'intérieur 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87. Je marque un point.